journée, une journée de bénédiction. Frères et sœurs, amis auditeurs et internautes, bonjour. Bienvenue à notre dernière dévotion matinale pour cette semaine. Merci d'être des nôtres pour consacrer ces premières heures à notre Créateur. N'est-il pas bon et merveilleux notre Dieu? Nous sommes ensemble ici encore une fois, en vie, c'est encore sa grâce. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, que rien ni personne ne nous sépare de Dieu aujourd'hui. Demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, afin que nous puissions toujours marcher dans ses voies. Acceptons sa volonté et mettons en lui notre confiance. Ayons le désir de servir notre Maître avec sincérité. Répandez la joie et l'amour autour de vous. Soyez humble et juste, et le Seigneur ne manquera pas de prendre soin de vous. Je vous invite à chanter pour l'Éternel au numéro 493 de nos hymnes et louanges. Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus, pour mon âme, me ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur. Et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe célèbre joyeuse, t'es montée de chaque jour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon
bonheur. Amen. Amen. Donc, nous lisons au psaume 143. Je vous invite à lire avec moi. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens d'un jour d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Je vous invite ce matin à courber la tête, à inviter Dieu dans votre vie, à inviter Dieu à prendre le contrôle de la journée, à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions. Père éternel, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, toi, le grand Dieu de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui as tout fait, toi qui as tout créé, toi qui nous as créés, nous élevons à toi, Seigneur Dieu, nos cœurs ce matin, nos cœurs sincères, pour te dire merci, Seigneur, pour te dire merci de nous avoir permis de passer une très bonne nuit, pour te dire merci, Seigneur, parce qu'on a pu se réveiller ce matin. Tu étais avec nous, Seigneur, et tu l'es encore. Merci infiniment pour cette grâce, Père éternel, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette opportunité, qui ne se sont pas réveillés ce matin. Mais toi seul sais pourquoi, Seigneur. Mais pour nous qui sommes là, pour nous qui sommes en santé, qui sommes en vie, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te demandons, s'il te plaît, Père, de prendre le contrôle de nos vies, de prendre le contrôle de la journée, de nous garder, Seigneur, de nous cacher à l'ombre de tes ailes quand nous avons besoin de toi. En ces moments, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin, Seigneur, que tu sois avec nous à chaque minute, Père. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour nos iniquités, pour nos transgressions, pour toutes nos pensées, nos actions, Seigneur Dieu, pour tout, Seigneur, qu'on ne devrait pas faire, Seigneur. S'il te plaît, Père éternel, pardonne-nous, lave-nous dans le sang de Jésus. Oui, Jésus, ton Fils que tu nous as donné, qui a accepté de donner sa vie sur la croix, Seigneur, malgré que nous étions pécheurs pour nous racheter, nous te disons merci, Seigneur, pour ce salut. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci, Père éternel, parce que tu as pensé à nous. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton amour est si grand que tu nous as ramenés vers toi. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu protèges nos familles. Merci, Seigneur, parce que tu gardes nos enfants. Merci, Père éternel, parce que tu nous aides à éviter tous les pièges du mal. S'il te plaît, Père, garde-nous dans tes mains. Dirige nos pas.
Ouvre nos yeux, lave nos cœurs, Seigneur, car nous avons grandement besoin de toi. S'il te plaît, Père, pénètre nos pensées. Change-nous, Seigneur, transforme-nous, Père éternel, afin que nous puissions faire, Seigneur, ce que tu veux, afin que nous puissions marcher dans tes voies, afin que nous puissions respecter tes lois et tes commandements, Seigneur Dieu. Nous ne pouvons pas le faire sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Alors, s'il te plaît, ce matin, sois avec nous. Reste avec nous. Garde-nous. Dirige-nous. C'est dans le Saint-Nom de Jésus que nous te prions. À lui seul soit la gloire, lui qui vit et qui règne, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer à notre vigile matinale pour ce matin. On est le vendredi 21 août 2020 et le thème de notre vigile matinale, c'est « Construisez sur le roc ». Le verset approprié, c'est 1 Corinthiens 3, verset 11, qui nous dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Beaucoup prétendent qu'ils sont des disciples du Christ, mais ils n'ont pas les yeux fixés uniquement sur sa gloire. Ils ont leur propre idée et leurs critères personnels. Et ils les maintiennent devant eux au lieu de faire place aux critères de la parole de Dieu. Il nous faut une religion pure et sans tache. Nous devons prier pour obtenir la justice qui vient à l'âme véritablement convertie, celle qui accepte comme exemple la vie de son Rédempteur. Ne pensons pas que nous pouvons traverser ce monde en faisant ce qui nous plaît, tout en étant malgré tout accepté par Dieu comme disciple de son Fils. Les portes de la cité de Dieu ne seront jamais largement ouvertes à ceux qui n'ont pas porté la croix, qui n'ont pas suivi le Christ en se sacrifiant et en renonçant à eux-mêmes. N'oublions jamais que si nous voulons faire partie un jour du royaume de gloire, nous devons accepter la foi, les mérites de Jésus-Christ. Certains de ceux qui passent par la souffrance et le découragement peuvent avoir le sentiment que leur sort est triste. Qu'ils se souviennent alors que le Christ a passé par des expériences semblables. Il a connu la pauvreté et la souffrance. Il vous invite à croire en son amour et à suivre ses traces. Il agira à travers ceux qui ont les moyens de pouvoir aux besoins des déshérités. Que faites-vous pour collaborer avec le Christ? Que faites-vous pour représenter son humilité d'esprit? Cherchez-vous à découvrir ceux qui sont affligés, qui souffrent et qui ont besoin de votre aide? Utilisez-vous les occasions, les avantages et les moyens dont vous disposez pour gagner des âmes pour Christ? Vous pourriez dire, je ne suis pas pasteur. Je ne puis donc pas prêcher la vérité. Il se peut que vous ne soyez pas pasteur dans le sens généralement accepté du terme et que vous ne soyez jamais appelé à prêcher du haut de la chair. Mais néanmoins, vous pouvez être un ministre du Christ. Si vous voulez garder les yeux ouverts afin de saisir les occasions qui se présentent d'elles-mêmes pour adresser la parole aux âmes, Dieu parlera à vous par votre intermédiaire afin de les attirer à Christ. Beaucoup parmi vous ont été négligés ou parmi vous ont négligé l'étude des Saintes Écritures. Nous n'avons pas édifié le genre de caractère que le Christ pourrait employer. Le Fils de Dieu a délaissé les parvis de gloire. Il est venu
dans notre monde pour partager ses tentations et ses souffrances, afin de pouvoir nous élever et faire de nous, afin de pouvoir faire de nous des fils et des filles de Dieu. Il fait appel à chacun de nous, individuellement, pour que nous accomplissions la tâche qu'il nous a assignée, où que nous soyons. Nous devons veiller sur les âmes comme si nous avions à rendre des comptes. Il nous faut faire de notre mieux afin de pouvoir aux besoins spirituels de l'humanité. Chaque jour, nous travaillons à l'édification de notre caractère. Construisons sur le rocher Jésus-Christ. Ce fondement sûr restera ferme pour chacun d'entre nous. Manuscrit 85 de l'année 1909. Alors ce matin, notre Virgile matinale nous invite à construire sur le roc. Et nous savons que notre roc, c'est Jésus-Christ. Si nous, en tant que chrétiens, nous construisons sur Jésus, qui est le roc solide, nous n'avons à craindre ni tempête, ni vent, parce qu'on est ancré en lui. Et en construisant sur Jésus, en gardant les yeux fixés sur lui, on n'a pas à faire notre volonté, mais plutôt à faire la volonté de Dieu. Et aussi, il est dit, pardon, le Seigneur Jésus, il est venu, il a habité parmi nous, il a connu les souffrances, il a connu nos humiliations. Combien à plus forte raison, quand vous souffrez, quand vous vivez une situation qui est difficile, alors de vous dire que Jésus, il a vécu la même chose que moi quand il était sur terre. Donc, il ressent ce que nous ressentons. Il sait que ce que nous vivons quand nous nous sentons humiliés. Alors, la Virgile d'aujourd'hui nous appelle à veiller sur l'âme de nos frères. C'est vrai que on peut ne pas être capable de prêcher du haut de la chair, comme il est dit, mais il y a d'autres tâches que nous pouvons faire. Nous pouvons, par exemple, veiller sur les frères qui sont à côté de nous. Par exemple, si nous sommes inscrits à l'école du sabbat et que nous voyons qu'il y a des frères qui ne se présentent pas à l'église, qui d'habitude sont là, on peut les contacter, on peut les écrire un petit message pour leur dire « Ma soeur, mon frère, on ne vous a pas vu ce sabbat, est-ce que vous allez bien ?» Là, vous prenez soin de votre frère qui est dans la même assemblée que vous. Aussi, ne vous laissez pas décourager par les problèmes, les tentations de ce monde, parce que Jésus, il a vécu plus que ça. Alors, comme on a appris, comme on a vu pendant toute la semaine, dans toutes les virgiles matinales de cette semaine-là, on nous a dit de penser plutôt aux choses qui sont en haut. Pensez plutôt aux choses célestes au lieu de penser aux souffrances que nous vivons sur cette terre. Parce que l'héritage qui nous attend en haut, les yeux ne l'ont jamais vu, les oreilles ne l'ont jamais entendu. Pensez à comment est-ce que nous serions quand nous allons à la rencontre de notre Dieu. Oh, frères et sœurs, je vous assure que ce serait un moment merveilleux. Moi, quand je pense à ça, j'ai dit, écoute, tout ce que je vis sur terre n'est que passager. Et que moi, je suis passagère sur cette terre-là. Et qu'il y a une bonheur infinie qui nous attend dans le ciel. Donc, nous avons un monde à sauver. Nous avons une mission, celle de prêcher la parole de Dieu afin d'atteindre les âmes. Afin d'atteindre ceux qui souffrent, ceux qui cherchent à découvrir le Christ. Alors, frères et sœurs, en ce matin, je vous invite à garder vos yeux ouverts afin de pouvoir saisir les occasions qui s'offrent à vous. Étudiez la parole de Dieu. Gardez proche de vous la parole sacrée afin de rester connecté au sceptre. Parce que si nous ne restons pas connectés à Christ, quand surviennent les problèmes, les tribulations, on va être découragés. Mais gardons la foi et toujours confiance en Jésus, à lui qui nous a créés, à lui qui est notre force, en lui que nous avons confiance et assurance. Et je vous assure, frères et sœurs, en ce matin, si vous construisez sur le roc solide qui est Jésus-Christ, votre maison, vos familles,
vos activités, ils resteront fermes malgré la tempête. Alors, c'est un très beau, c'est une très belle Virgile matinale de ce matin. Je demanderai à Stéphora ou Frère Romero si vous avez des commentaires à faire à partir de ce texte-là ce matin. Vous pouvez commenter vous aussi le texte de la Virgile matinale ce matin. Est-ce que vous avez des choses à dire? Mais moi, je pense que construire sur le roc, c'est s'assurer, s'ancrer en Jésus. Savoir que malgré tout, Jésus est là. C'est pas parce qu'on traverse des moments difficiles qu'il nous abandonne. Parce que justement, rester attaché à Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit qu'on va le servir et que tout sera OK. Qu'on va le servir et que tout va passer comme sur, comment on appelle ça? Des roulettes. Roulettes, justement. Donc, Jésus nous dit, c'est sûr que en vivant, ok, ça va être difficile. C'est sûr que, spécialement que nous avons décidé de servir Dieu, que nous allons être tentés par toutes choses. Comme lui, le Fils de Dieu, malgré qu'il est le Fils de Dieu, il a été tenté. Donc, c'est sûr que le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher, il est en train de nous tenter et il essaie de nous détacher de Dieu. Mais Dieu nous demande de persévérer, rester là, attaché à ses pieds, rester ancré à lui. Et c'est sûr qu'il vous donnera sa récompense. Il nous donnera la vie éternelle. Il nous donnera ce qu'il a promis parce que Dieu garde toujours ses promesses. Amen. Ça, c'est... Merci. Merci, Stéphora. Alors, frères et sœurs, chaque jour, nous devrions travailler à l'édification de notre caractère et construisons sur le roc Jésus-Christ. Ce fondement sûr restera ferme pour chacun d'entre nous. Merci d'avoir écouté avec attention notre vision matinale de ce matin. Nous allons passer à la leçon de l'école du sabbat avec le frère Romero Vallès. Mais juste avant, nous chantons le deuxième couplet du numéro 179 de nos hymnes et louanges. Jour après jour partait le son, viens enrichir mon cœur et montre-moi les horizons de gloire et de splendeur. Parle-moi, Seigneur Jésus, viens raffermir ma foi à ton école. Le près de toi, je ne chancelle plus. Merci, merci mes soeurs, sœur Michaël et sœur Sephora. Nous disons encore une fois bonjour à nos frères et sœurs qui nous écoutent, aux amis des ondes et à nos internautes. Merci d'avoir été des nôtres pendant cette semaine. À l'écoute, à l'étude de la parole de Dieu, la parole qui vivifie, la parole qui nous rend fort, et cette parole nous qualifie pour la vie éternelle à mesure qu'on la pratique dans notre vie. Et nous savons en tant que chrétiens, nous avons une destinée. Notre destinée n'est pas d'ici bas, c'est qu'un jour, notre Seigneur viendra nous chercher pour aller vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Mais nous devons nous armer de toutes les armes spirituelles, comme il est dit dans la Bible, dans Éphésiens, afin de pouvoir surmonter les traits enflammés du malin. Le diable est là. Son objectif est de nous perdre pour que nous perdions cette vie que Jésus est allé nous préparer et que Jésus nous a donnée. Mais les âmes, nous les trouvons à l'aide de l'étude de la parole de Dieu. Comme ça, ce matin, nous terminons avec l'étude de cette leçon, la leçon 8 que nous avons étudiée tout au long de la semaine, une leçon enrichissante, une leçon qui nous impelle, qui nous interpelle, une leçon qui nous parle, qui nous demande à changer la façon de faire, mais à adopter l'attitude que notre Seigneur Jésus a adoptée. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il était venu sur la terre. Il était venu pour nous montrer
comment bien faire, comment faire et comment bien faire les choses en le suivant. Notre destinée éternelle est déjà assurée. La leçon 8 que nous avons étudiée tout au long de la semaine et a pour titre aider et comme Jésus. On avait dit aider, c'est apporter son secours, apporter son appui à quelqu'un, joindre ses effets aux siens pour l'aider à passer au travers des difficultés et lui faciliter la tâche. C'était une très belle leçon. Notre Jésus, pendant qu'il était sur la terre, a aidé et il nous demande à faire de même. La leçon avait un verset, on dit verset à mémoriser. Et ce matin, on va essayer de ne pas regarder l'écran, de ne pas regarder le questionnaire, de ne pas regarder la Bible pour essayer de réciter ces versets. Il est dit dans Matthieu 9, verset 36, « À la vue des foules, il fut tenu, car elles étaient abandonnées, abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. » Selon Matthieu 9, verset 36. Oh, quand Jésus voyait ces gens, il avait en lui-même une émotion, il était émotionné, il était ému, mais ses sentiments étaient un sentiment de tristesse et non un sentiment de joie qui l'envahit parce que il voyait ces gens étaient livrés à eux-mêmes. La foule était livrée à elle-même. La foule n'avait aucun secours. Alors que les gens, les personnes qui étaient nommées pour leur venir en aide, les écartaient. Mais Jésus lui-même, ils étaient émus. Ils voyaient ces gens comme des moutons qui n'ont pas de berger. Ce matin, la grande nouvelle que j'ai pour vous et pour moi aussi, c'est que nous autres, nous avons le bon berger. Notre bon berger, c'est Jésus de Nazareth, notre Jésus qui veille sur nous. Nous avons vu dans cette leçon aussi que Jésus se souciait sincèrement des gens. Il était plus intéressé par leurs préoccupations et leurs besoins que les siens. La vie de Jésus était totalement centrée sur les autres. Son ministère était un ministère plein de bienveillance et de compassion. Il comblait les besoins physiques, mentaux, émotionnels des gens autour de lui. Et Jésus se mêlait aux autres pour connaître leurs problèmes. Une fois qu'ils connaissent leurs problèmes, c'était plus facile d'apporter une solution. Remarquez, chers frères et sœurs, Jésus, en tant que grand prédicateur, n'avait pas commencé directement pour dire aux gens qu'ils doivent se convertir et chercher le royaume des cieux. Premièrement, il cherchait à les comprendre, il cherchait à essayer de voir leurs problèmes pour apporter une solution et après de leur dire de se repentir et c'est plus facile de faire. Jésus avait une attitude extraordinaire envers les gens. Jésus se mêlait aux autres. Il mangeait avec les impies, il mangeait avec les pécheurs. Au point qu'il était critiqué par les sadducéens, par les scribes et par les pharisiens. Il disait de Jésus qu'il accueille les pauvres et il mange avec eux. Jésus était préoccupé car il se liait d'amitié avec les impies. Leur conception des scribes et des pharisiens, leur religion était une idée d'éloignement plutôt d'encadrement. Les sadducéens, les scribes et les pharisiens, pour eux autres, il faut éloigner les gens parce qu'ils ne voulaient pas être contaminés par les péchés, par des gens qui avaient la lèpre. Dans le temps, quand quelqu'un avait la lèpre, on pensait que c'est à cause de ses péchés qu'il a atteint de cette maladie. Alors, pour les pharisiens, les sadducéens, l'essentiel était de s'éloigner de ces gens-là pour ne pas être contaminés. Mais pour Jésus, c'était autrement. Jésus s'attachait avec les gens. Jésus se mêlait avec les gens. Jésus se liait avec les gens pour pouvoir leur comprendre et comprendre leurs difficultés et apporter une solution. Oh, il est parti, il n'est plus là. Mais non seulement il a dit qu'il nous enverra son Saint-Esprit qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais il a dit de nous aussi que nous sommes le sel de la terre,
que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes là pour briller. Nous, les gens qui ont de grandes richesses dans ce monde ne sont pas plus importants que nous. Nous, c'est nous qui sommes le plus important parce que à travers nos activités, à travers les paroles que nous prononçons, à travers les actes que nous accomplissons, nous donnons du sens à ce monde, nous donnons de l'encouragement à ceux qui souffrent, nous donnons de la force de continuer à vivre à ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Une lumière n'est pas là pour être cachée, mais la lumière est là pour être éclairée. On doit éclairer par nos actions. On doit voir qui nous sommes. Jésus traitait aussi les gens avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'humilité. Jésus ne noyait pas les gens. Jésus faisait l'éloge des gens. Au lieu de les décourager, il les encourage. Jésus cherchait aussi le meilleur de tout le monde. Ça se peut qu'on a fait quelque chose qui est mal. Même les pécheurs, il y a quelque chose de bon en lui. Et Jésus va descendre, peut-être dans un trou, pour aller chercher une personne, l'aider à prendre conscience de son état, l'aider à prendre conscience de sa situation. Une fois que la personne a pris conscience de son état, il est plus facile pour cette personne de changer de comportement. Oh, il avait prononcé une parole extraordinaire à l'égard de ce centurion qui était venu auprès de lui pour demander la guérison pour son serviteur qui était malade. Jésus lui avait dit, « Va chez toi, je vais venir avec toi pour guérir ton serviteur. » Et le centurion a dit, « Non, maître, moi qui suis soumis, j'ai des soldats sur mes ordres. Quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Quand je dis fais ceci, il le fait. Fais cela, il le fait. Dis un mot, je suis sûr et certain que mon serviteur sera guéri. » Et Jésus a fait l'éloge de cet homme pour dire, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et aussi du scribe en juif qui voulait savoir quel a été le plus grand des commandements. Jésus lui a dit, et le commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Et le scribe a résumé en lui-même. Ce n'est plus important de faire des sacrifices, ce n'est plus important de faire des holocaustes. Le plus important, c'est de pratiquer l'amour, car l'amour est à la base de la loi de Dieu et de Jésus, de Dieu, de cet homme. Toi aussi, tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin de la vie éternelle. Tu n'es pas loin de la vie éternelle parce que tu as pu savoir. Le plus important, c'est de pratiquer l'amour les uns pour les autres, les uns envers les autres, afin de pouvoir joindre nos forces l'un à l'autre pour avancer l'un avec l'autre jusqu'à la victoire finale. Jésus faisait l'éloge de cet homme. Jésus veut faire l'éloge de nous ce matin. Il va le faire et il dit de nous que nous sommes des enfants fidèles, que nous sommes des enfants et qui écoutent sa parole et qui essaient de mettre ses paroles en application. Il avait aussi un ministère de guérison. Il guérissait tous ceux qui s'approchaient de lui. Nous nous souvenons de ces paralytiques qu'on amenait à lui. Cet homme qui était paralysé, ça fait peut-être longtemps qu'il était malade, on lui amenait à Jésus. Et avant même de le guérir physiquement, excuse-moi, Jésus a dit à ces paralytiques, pardon, ta foi t'a sauvé. Et ta foi t'a sauvé. Et Jésus l'avait guéri physiquement avant de penser, l'avait guéri et spirituellement avant de penser à le guérir physiquement. Et aussi de cette femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans. Elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins et il n'y avait aucune solution. Elle avait entendu sans doute parler de Jésus parce que Jésus laissait des traces. Quand il passait dans un endroit, il laissait des traces. Je voulais vous demander à vous, chers frères et sœurs, chers amis des zones, chers internautes,
quelle trace que vous laissez quand vous passez dans un endroit? Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un chrétien, que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous essayez par tous les moyens d'atteindre les cœurs, de permettre aux gens de passer au travers des difficultés? Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle disait en elle-même, « C'est seulement si j'arrivais à toucher sa robe, je suis sûr et certain, je vais guérir. Je suis sûr et certain, je vais guérir. » Oh, il y avait beaucoup d'obstacles devant cette femme, car la foule était nombreuse et les disciples encerclaient Jésus. Elle a fini par faufiler et elle a touché la robe de Jésus. Et à l'instant même, elle sentait un changement se manifester en elle. Et Jésus de dire, « Qui m'a touché? » C'est une question sans sens d'après les disciples. Ils n'arrivaient pas à comprendre pour que le maître dit « Qui m'a touché? » Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui l'entourent. Il était dans une foule. Oui, Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché car je sens qu'une force est sortie en moi. Oh, cette femme était effrayée. Et elle s'est jetée au pied de Jésus pour lui dire, oui, mon Seigneur, c'est moi qui t'avais touché. J'étais malade. Oh, je disais en moi-même, si j'arrive à te toucher, je serai guéri. Effectivement, en te touchant, je sens qu'il y a un changement en moi. Jésus a dit à cette femme, va, ta foi t'a sauvée. La foi est une ferme assurance. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait la foi parce qu'elle avait entendu parler de Jésus et elle a mis sa foi en exécution. En ce matin, mettons nos fois à l'œuvre. Mettons nos fois à l'œuvre. Ça se peut que vous êtes malade depuis longtemps. Ça se peut que vous êtes en difficulté depuis longtemps. Ça se peut que vous souffrez à la maison, même à l'hôpital. Vous qui nous écoutez en ce matin, je vous dis que Jésus a cette puissance de guérir ceux et celles qui sont malades comme il l'avait fait autrefois, comme il l'avait fait pour ce paralytique. Il l'avait guéri physiquement, mais il l'avait guéri aussi spirituellement. Cette femme aussi a été guérie spirituellement parce que Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus avait guéri les gens physiquement, mais ces personnes-là doivent mourir un jour. Mais ceux et celles qui ont été guéris spirituellement, leur nom est inscrit dans les registres des cieux. Et quand Jésus viendra, il nous accompagne pour aller vivre pour le temps et pour l'éternité. Son ministère de guérison avait aussi trois phases. Son ministère avait aussi trois phases. Jésus enseignait, Jésus prêchait et Jésus guérissait. Oh! Sa matière première qu'il enseignait, et c'est comment gagner la vie éternelle. Et Jésus attend à ce que nous aussi nous fassions de même. C'est la raison pour laquelle il a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de cet Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Nous devons accomplir aussi cette œuvre d'enseigner et de prêcher la parole de Dieu. Si nous nous mettons au travail, si nous nous mettons sous l'égide du Saint-Esprit, on va pouvoir non seulement enseigner, non seulement prêcher, mais on va pouvoir aussi guérir. Parce que Jésus avait dit, si nous avons la foi, nous ferons les choses comme lui-même il faisait. Oui, chers frères et sœurs, Jésus se souciait associé avec les gens. Jésus comptait sur nous pour pouvoir guérir les gens qui sont en difficulté. Jésus n'était aussi pas un simple spectateur, faisait de miracles, comme les gens le suivaient. C'est la raison pour laquelle, dans cette contrée qu'il était, il avait dit aux disciples, il faut aller ailleurs. Peut-être les gens le suivaient parce qu'il faisait que des miracles. Mais son but le plus ultime, c'est que les gens reçoivent cette parole et l'appliquaient dans leur vie pour leur bonheur éternel. Car il avait dit clairement, le but de ma venue en cette terre, c'est que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui compte pour Jésus, c'est notre bonheur et notre bonheur spirituel. Ce matin, nous devons nous associer à Jésus pour accomplir les œuvres extraordinaires. Le message de Jésus dans Matthieu 24 jusqu'au Matthieu 25. Et dans Matthieu 25, il a quand même dit les trois dernières paraboles qui avaient une importance capitale sur notre destin. Il a parlé, il a parlé de 10 vierges. Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Les sages avaient pris d'huile de réserve. Les folles n'en avaient pas pris. Et le maître Thaddée est venu. Au milieu de la nuit, on disait, voici les poux aller à sa rencontre. Les lampes des folles s'éteignent parce qu'ils n'avaient pas d'huile en réserve. Les sages en avaient en réserve et ils avaient pu trouver leur maître. Il a parlé aussi des talents. Comme un maître qui devait partir, qui a donné 5 talents à son premier serviteur, 2 talents au deuxième serviteur et 1 talent au troisième serviteur. Le premier a travaillé son talent, il a gagné 5 autres. Le deuxième a fait pareil, il a travaillé les talents, il a gagné 2 autres. Et le troisième a fait un trou et a caché le talent dans la terre. Au retour du maître, le maître demanda compte. Jésus aussi va nous demander compte quand il va venir. Il va nous demander compte parce qu'il a dit dans la troisième parabole, la parabole des brebis est debout. Quand le maître en sera venu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, il séparera les uns d'avec les autres. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Aux brebis, il leur dira, venez, prendre possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire, à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. Et même en prison, vous m'avez visité. Pour tous ces bienfaits que vous avez pu accomplir, venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jésus demanda compte et Jésus nous qualifie et Jésus nous donne selon ce que nous avons accompli. Et les autres qui seront à sa gauche, ils prononceront aussi une sentence. Vous autres, c'est le feu éternel qui vous est réservé, car vous n'avez rien fait pour les plus petits de vos frères. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Moi, j'étais tout au nid. Ou pas de rade pour me mettre. Moi, j'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité. Pour cela, allez dans le feu éternel. Oui, chers frères et sœurs, la parabole des brebis et des boucs nous met en garde. Nous devons combler les besoins physiques de ceux qui nous entourent. Jésus veut que nous associons à lui pour pouvoir accomplir ce travail. Pensez égoïstement de vos propres affaires. Pensez seulement avec propre tête ou. Et agir égoïstement, c'est risquer la mort éternelle. Mais ce matin, pour aller plus loin, il y en a beaucoup qui ne croient plus en Dieu et qui ont perdu confiance en l'homme. Cependant, ils savent reconnaître et apprécier la vraie sympathie qui leur est témoignée et le secours qu'on leur apporte. Ils ont le cœur touché lorsqu'ils voient une personne soigner les malades, secourir les pauvres, habiller ceux qui sont démunis de vêtements, consoler les affligés, diriger avec douceur le regard de chacun vers celui dont cette personne est la messagère d'amour. Et cela d'une manière tout à fait désintéressée, leur gratitude en s'éveille, leur foi s'allume, ils comprennent que Dieu prend soin d'eux et sont prêts à écouter sa parole. Bien que les gens ne croient plus en Dieu, ils ne croient non plus en l'homme, mais quand nous accomplissons ces œuvres d'amour, quand nous venons en aide à ceux qui ont difficulté,
ces personnes-là qui n'avaient plus confiance en Dieu prennent confiance. Et quand vous pratiquez de la compassion, ça touche ces gens-là. Et à ce moment-là, ils sont réceptifs à la parole de Dieu parce qu'ils voient encore qu'il y a des personnes qui se soucient aux autres. Le ministère d'intéressé de Jésus ouvre les cœurs, renverse les préjugés et rend les gens réceptifs à l'Évangile. L'Église est le corps de Christ qui comble les besoins partout avec amour. Christ, ce matin, nous envoie, m'envoie, vous envoie auprès de la population pour faire une différence en son nom. Nous devons faire une différence au nom de Jésus. Nous devons agir différemment, pas de la même manière que les gens agissent, en oubliant ceux qui les entourent, en oubliant ceux qui sont autour d'eux. Mais nous autres, nous devons agir différemment, à accorder de l'importance aux besoins des gens, à accorder de l'importance à ceux qui souffrent. Bien entendu, nous devons prendre garde à ne pas se laisser contaminer par le monde, car il s'agit d'une menace réelle pour notre Église, mais nous devons néanmoins apprendre à atteindre les gens là où ils sont et à nous laisser employer par Dieu qui veut leur amener là où ils devaient être. Jésus veut amener le monde. Jésus veut nous amener nous aussi là où nous devons être. Mais Jésus veut passer par notre intermédiaire. Il veut nous utiliser pour ce travail. À méditer ce matin, des questions qui nous sont posées, que nous devons méditer tout au long de notre vie. Pourquoi le ministère de compassion de Christ est-il aussi puissant pour renverser les préjugés et ouvrir les gens aux vérités spirituelles? En un instant, essayez d'imaginer combien notre témoignage en tant que peuple sera efficace si nous pouvions refléter cette même préoccupation désintéressée pour les autres qu'avec Jésus. Combien notre évangile sera puissant, combien notre Église sera forte si, en un instant, nous avions les mêmes préoccupations qu'avec Jésus pour les autres. Repensez à une occasion où vous avez dit quelque chose qui était peut-être vrai, peut-être une vérité et même nécessaire, mais vous l'avez dit de mauvaise manière. Au lieu de faire un bien, tu as fait pas mal de choses. Même dans nos exhortations, il faut qu'on le fasse avec amour, avec douceur et avec humilité. Attendez-vous davantage sur l'idée que les personnes guéries ou même ressuscitées d'entre les morts finiraient par mourir un jour, parce que l'essentiel, c'est non seulement ils doivent guérir physiquement, mais le plus important, c'est que les personnes doivent être guéries spirituellement. Parce que, étant guéris spirituellement, leur salut est assuré, ils sont qualifiés pour la vie éternelle. Quel type de ministère votre Église peut-elle lancer auprès de la population que vous ne faites pas encore? Il faut imaginer, il faut avoir de l'imagination, chers amis des zones, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. N'attendez pas les dirigeants, n'attendez pas les anciens, n'attendez pas les conducteurs et même le pasteur, mais individuellement, imaginez qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et comme ça, nous allons le faire et nous allons atteindre les cœurs des gens et nous allons les aider à passer à outre de leurs difficultés. Et notre évangile sera un évangile puissant, un évangile qui donne de l'espoir. Comment créer des occasions spirituelles pour les personnes en recherche par l'intermédiaire de nos ministères consacrés aux besoins perçus. Oui, chers frères et sœurs, chers amis des zones, l'heure avance à grands pas. Nous avons étudié une très belle leçon qui m'interpelle premièrement, qui nous interpelle tous à subvenir aux besoins des autres, à aider comme Jésus a aidé. À la vie des foules, il était humilié, car les gens étaient lassés et abattus comme des moutons qui n'ont pas de berger. Jésus attend de nous que nous fassions pareil, que nous allions vers les autres et que nous leur donnons et que nous leur procurons l'aide nécessaire afin qu'ils puissent surmonter toutes les difficultés de cette vie.
Jésus veut nous utiliser. Nous sommes ses pieds, nous sommes ses bras. Faites-lui confiance. Reposons-nous complètement en lui. Laissez-nous guider par lui et accomplir cette œuvre extraordinaire. Et quand il viendra à la fin des temps, dans sa gloire, dans toute sa puissance, il dira, vous avez été fidèles en peu de choses. Venez prendre possession le royaume qui vous a été préparé. Nous soupirons après ce jour où le maître nous viendra nous chercher pour aller vivre éternellement dans une vie sans difficulté, sans maladie, sans problème. Ce sera la paix pour le temps et pour l'éternité. Mais non seulement on va lui faire confiance, mais travailler en ce sens. Aider les autres comme Jésus l'a fait. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Amen. Nous remercions sincèrement frère Roméo pour la façon dont il nous a expliqué la leçon de ce vendredi. Nous demandons à Dieu de nous donner la force nécessaire pour appliquer ses conseils dans nos vies. Nous allons passer à notre prière d'intercession. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des amis, auditeurs, internautes qui avaient des questions par rapport à la leçon, bien avant de passer à la prière d'intercession? Frère Winner, vous avez une question? Il y a une question? Oui. Oui, bon, pas tout à fait une question. Alors, mes chers amis, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Frère Roméo, bonjour. Bonjour, Frère Winner. Bonjour, Sœur Jifa. Bonjour, Sœur Michael. Alors, mes amis, vous avez été excellents au cours de la semaine. Excellent, excellent. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment. Moi-même, lorsque vous ne me voyez pas sur Zoom, tantôt, il y a tellement de moyens là. Pour participer, tantôt j'ai été sur Facebook, tantôt sur YouTube, etc., etc. Donc j'ai beaucoup flâné pendant cette semaine. Alors merci mes amis, le Seigneur était avec vous, était avec nous. J'ai été édifié et tout au cours de cette semaine en votre compagnie. Donc le Seigneur était avec nous, vous avez livré la marchandise. Donc que le Seigneur son amour vous bénisse et que le Seigneur bénisse également les membres de votre famille et que nous continuons à marcher dans sa voie selon ses recommandations. Alors, Amen. Merci encore une fois, merci. Il suffit. Maintenant, il reste. C'est vrai, c'est intéressant de dire ces belles paroles, de lire la vie, le ministère de Jésus-Christ, mais il reste maintenant, à nous, en tant que chrétiens, de pratiquer ces belles conseils, ces belles paroles, donc qui est extrêmement intéressante, livrée par son serviteur, par ses servantes. Donc, c'est extraordinaire. Alors, je m'engage à prier pour vous, mes chers amis, et que le Seigneur puisse, dans son amour, vous qualifier davantage pour le travail, pour le ministère auquel il vous confie. Alors, merci. Bonne journée dans le Seigneur. Amen. Oui, c'est Michael. Merci beaucoup, frère Winner. Nous allons passer tout de suite à l'intercession pour ce matin, à notre prière d'intercession. En ce matin, frères et sœurs, nous allons intercéder pour nos amis et les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux qui traversent une situation difficile. En ce sens, nous allons prier pour la sœur Javelin Paul, qui est seule et qui mourit en Haïti. Nous savons que plus de prières, plus de puissance, on va continuer à la garder dans nos prières. Nous prions pour la sœur Lucie Acher, qui a cherché de la délivrance. Nous avons prié pour la sœur Edeline Archelus, parce que capement les bons dieux, protection avec attachement. Nous avons continué à prier pour sœur Pierrette Banks, qui m'a demandé pour nous aider à prier, pour petite fille Jade François, et nous avons prié pour bon Dieu capable permettre que l'y retourner au pied de Jésus. Nous avons continué à prier pour la sœur Lydia qui a perdu maman Li. Nous connaissons les gens qui ont perdu en être cher. Ça a causé un peu de tristesse. Nous prions pour bon Dieu capable mettre force dans la faiblesse Li pour capable passer par un pas difficile ça. Nous avons continué à prier pour la sœur Androsia
Pierre, on a prié tout pour James, Joe et Deb. On a prié pour la famille Balthazar, pour frère Clifford, Fred Junior, Francia et Tania. On a prié pour bon Dieu qui permettre que yo retourner à l'église. Et on a continué à prier pour le frère McKinley Laguerre, pour capable retourner à l'église. Et maintenant, on a prié pour la famille Fleurissin Désir, pour bon Dieu capable garder yo sous elle protectrice yo, pour bon Dieu capable garder yo dans bonté et dans grâce li. Alors pour ce faire, on a chanté un seul strophe au numéro 607, Jésus m'entend lorsque par la prière. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi. Il veut toujours plaider devant son Père pour un pécheur repentant tel que moi. Et si parfois le ciel paraît d'airain, je sais que mon Sauveur divin autant voulu me répondra, me répondra. Avec vous, le frère Roméo, pour la prière d'intercession. Micro fermé. Ouvre le micro. Frère Roméo, micro fermé. Ce matin encore, nous avons pu jouir de ta paix. Nous avons pu jouir de ta grâce. Nous sommes là en ta présence pour te parler. Nous sommes là en ta présence pour te prier. Nous sommes là en ta présence pour présenter devant toi nos frères et sœurs en difficulté. Nous savons que tes mains ne sont pas trop courtes, tes oreilles ne sont pas trop dures pour nous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi, en sorte que nos prières ne parviennent pas directement à toi. Mais en ce matin, nous te demandons de pouvoir nous laver, de pouvoir nous purifier, de pouvoir nous changer, de nous transformer afin que nos prières puissent être entendues, puissent être entendues et que la grâce puisse en déverser abondamment sur chacun de nous tous. Nous avançons petit à petit vers la fin de ce monde et en avançant vers la fin de ce monde, l'ennemi sait ce qui nous est réservé. Ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il rôde, il se déguise en ange de lumière pour nous empêcher de pouvoir jouir les béatitudes sans fin. Mais heureusement, ton sang coula sur le bois du calvaire, 2000 ans de cela, est encore efficace. Et par ce sang, le sang coulé sur le bois du calvaire ce matin, nous nous présentons devant toi, avec assurance, cher le Père des cieux, avec assurance que nos prières seront entendues, avec assurance que nos péchés seront pardonnés, avec assurance que nous obtenions la puissance de cet esprit qui nous aidera à accomplir les œuvres que tu as accomplies. De grâce, ton peuple ce matin souffre. Il y a beaucoup de difficultés parmi nous. Il y a beaucoup de malades parmi nous. Mais en ce moment, je vous interpelle dans le Père des cieux à toucher, à toucher, à toucher tous ceux qui sont malades d'une maladie quelconque dont les médecins ont déclaré qu'il ne reste pas beaucoup de jours à vivre. Mais toi, nous savons,
Tu es le docteur par excellence. Tu es le maître, le roi des rois. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Une fois que nous avons foi en toi, tout est possible. Touche les gens malades. Touche les gens en difficulté. Passe dans les hôpitaux. Passe dans les CHSL, CSLD. Passe dans les maisons. Touche-nous. Guérisse-nous dans les pères des cieux. Et en fin de compte, ton nom sera éclaté. Ton nom sera loué pour le temps et pour l'éternité. En ce matin, il y a beaucoup de gens qui ont besoin que tu fasses quelque chose pour eux, que tu interviennes. Oh, nous venons de citer leur nom, parmi lesquels cette sœur qui est en Chine, qui a besoin que tu l'aides. Dans les pères des cieux, il y a sœur Pierrette Banks qui a besoin que tu l'aides, que tu touches le cœur de sa fille qui a abandonné la foi, qu'en ce moment tu lui parles, afin qu'elle sache le meilleur endroit, c'est auprès de toi, car auprès de toi, il y a la vie, il y a le bonheur pour l'éternité. Ma soeur aussi qui a perdu sa soeur en Haïti, c'est difficile de perdre une être chère, mais dans les pères des cieux, nous savons, tu vas essuyer les larmes de ses yeux et tu vas l'accompagner. Nous savons un jour où la mort ne sera plus, les douleurs ne seront plus, les maladies ne seront plus, mais nous jouissons de la gloire éternelle avec toi. Nous voulons te prier au sein des pères des cieux pour la sœur Balthazar qui chaque matin demande que tu interviennes pour ses enfants qui ont abandonné la foi. Sœur Tania Clifford dans les pères des cieux, Fred Gignon, là où ils sont ce matin, touche-les. Nous savons qu'il y a beaucoup de parents qui pleurent amèrement parce que leurs enfants ont abandonné la foi. Ils ont grandi dans l'herbe de l'évangile dans les pères des cieux, mais quand ils sont jeunes, ils t'ont laissé pour aller jouir les plaisirs de ce monde, comme cet enfant prodige qui avait tout demandé à son père pour aller vivre dans ce monde. Mais à un moment donné, il s'est souvenu d'où il est sorti, il était retourné auprès de son père. Que ces enfants-là, que tu puisses en les toucher, afin qu'ils retournent au bercail, qu'ils soient total dans les pères des cieux. Car les nouvelles nous disent que bientôt, très bientôt, tu feras ton apparition. Il faut qu'on soit prêt pour t'acclamer. Avec ton peuple ici-bas, avec nos frères et sœurs, avec la terre entière, avec nous dans les pères des cieux, aidez-nous à vivre pour toi, aidez-nous à marcher pour toi, aidez-nous à subvenir aux besoins des autres comme tu l'as fait, et comme ça, notre évangile sera un évangile fort. Touche les cœurs ce matin, touche ceux qui ont dans le désespoir, touche ceux qui passent par des difficultés, touche-nous et guéris-nous. Fais-nous voir ta face. Écoute-nous du haut des cieux. Pardonne tout le péché. Nous te prions au nom de Jésus. À toi qui vienne la gloire, l'honneur, la magnificence de ta présence et au siècle des siècles. Amen. Harmonie dans le sanctuaire. Il viendra sûrement, car Jésus, mon sauveur divin, au temps voulu me répondra, Nous remercions sincèrement notre Seigneur d'avoir été avec nous ce matin. Il nous a permis de passer un bon moment en bien. Merci à vous, chers amis, chers membres d'église, chers auditeurs et internautes qui était avec nous ce matin sur vos écrans, votre cellulaire, dans votre chambre, dans vos salons. Merci de nous avoir accueillis ce matin pour cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous permette et vous accorde sa grâce et vous permette de passer une excellente journée et que vous puissiez bénir dans le nom du Seigneur. Merci, sœur Stéphora. Merci, frère Roméo. Passez une excellente journée. Merci, Merci, frère. Ça a été très bien à votre compagnie pendant cette semaine. Que Dieu nous bénisse et continue à bénir nos travaux. Quoi qu'il advienne, les rendez-vous est pour le ciel. Amen. Amen.
bonne journée, pour une journée de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré « Tête à tête avec Christ » tous les jours de 5h30 à 6h30, excepté le samedi. Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912-55-17-91-91. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons